Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça se perd bien, donc aujourd'hui on se retrouve encore pour du RIA, et oui. Après donc les reviews des 3 saisons plus de The Avenir, donc les 3 épisodes spéciaux, on se retrouve pour Aria The OVA Arietta. Oh yeah! Franchement ça me fait plaisir de retourner sur du Aria. Et ben décidément, quand même, je pense que c'est l'anime auquel j'aurais le plus parlé dans ma chaîne, mais vraiment le plus. Faut savoir que Aria, j'ai une affiliation vraiment particulière, j'ai connu ça grâce aux animes, j'ai lu le manga d'une traite, il était incroyable, j'ai fait une review du manga également, donc vous pouvez aller voir quand vous voulez. Techniquement, il me reste plus qu'une review sur Aqua, donc un peu ce préquel de Aria, vraiment le préquel de tout. Et techniquement, bah, j'aurais terminé, hein, je vous aurais tout proposé. Donc bah voilà. Donc Aria The OVA, ou Arietta, je pense qu'on dira Aria Arietta, ou Arietta, voilà. Donc, c'est un OVA tout simplement sorti le 21 septembre 2007, produit par TV Tokyo et Shichoku, licencié par Nozomi Entertainment. Le studio, c'est toujours Hail Filmmaker qui s'en occupe. Pour de la fantasy, son section Shonen Slice of Life. Alors, j'ai une affiliation particulière, mais de là jusqu'à ce que des sites te disent carrément que c'est un Shonen, je suis pas trop d'accord parce que bon, Shonen, je sais pas en quoi il a du Shonen en fait, Aria. Aria, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un voyage. Incroyable, extraordinaire, et une envie de rêver à travers tout simplement, et ben tout simplement une ville du nom de Neo-Venezia totalement imaginaire. Voilà, c'est à la fois réel et imaginaire, et donc ce voyage est vraiment porteur de rêve et te donne justement envie de rêver. Moi, j'appelle ça plus un rêve. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien de shonen. Je veux dire, il n'y a rien de shonen, rien. C'est un truc que j'ai jamais véritablement compris. Pourquoi est-ce qu'on appelait. Enfin, on disait que reste un shonen. Faudra me dire. S'il y a des gens qui trouvent que c'est justifié, bah dites-moi en quoi c'est justifié. Moi, j'appelle plus ça un slice of life. Et comme je vous dis souvent, Aria, c'est la reine des slice of life. Clairement. La reine, absolue. Donc, de quoi nous parle Arietta? Eh ben, les jours passent tranquillement sur Aqua. Donc, Akeri est devenue une prima. Et gère la Aria Company avec une apprentie et tout simplement Hai. Et surtout, Alicia est partie malheureusement. Mais, Akari se réveille et se rend compte que tout ceci n'était qu'un rêve. Et Dieu soit loué, Alicia est toujours là, mais pour combien de temps encore? Et un jour, Akari deviendra elle aussi une prima. Elle devra elle aussi gérer la Aria Company et prendre ses responsabilités. Et également instruire une apprentie, tout ça sans l'aide d'Alicia. Et donc, tout simplement, Akari commence alors à douter des capacités d'Andine, donc son roi actuel, et questionne Alicia sur ses débuts de prima. Alors oui, je tiens également à dire que cette série se situe entre Aria The Natural et Aria The Origination, donc entre la saison 2 et la saison 3. Donc, moi ce que je vous dirais, c'est de prendre cette série, enfin, cette série, cette OVA tout simplement, comme un préquel à Origination. Voilà, clairement, faut prendre ça comme tel. Et ben tout simplement, mais je vous dis, cette vidéo va être très rapide. Elle va vraiment être très rapide, c'est qu'un OVA de 30 minutes, donc je ne pense pas que j'aurai grand chose à dire non plus. Et ben moi, c'est un OVA qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il a visé un point juste que je cherchais depuis longtemps. Et ben c'est le personnage d'Alicia. Alors Alicia, c'est vrai que oui, c'est quelqu'un qui tout simplement est la senpai de Akari, qui gère la Aria Company et tout, tu vois. Donc c'est vrai que c'est toujours un personnage où tu dis c'est un point central, voilà, celle qui va faire devenir Akari le statut de rêve dont elle rêve, hein, tout simplement, de passer de Hondin à Prima Hondin, tout simplement. Et donc, bah voilà, donc c'est un truc que l'on se dit, oui, on fixe beaucoup, beaucoup la série, principalement sur l'entraînement des trois personnages, bah, notamment Akari, Alice et Aika, mais c'est vrai que tu dis Athéna, Akira et Alicia, bah c'est vrai qu'à part voir leur rôle de professeur et deux, trois choses qui sont vraiment très intéressantes dans l'anime, hein, c'est pas ça que je dis, et ben c'est vrai que mine de rien, on les met pas trop en avant et tout. Et là, cette OVA arrive. Cette OVA arrive. Et justement, le point central, et ben ça va être de questionner un petit peu Alicia sur comment est-ce qu'elle a eu la motivation, comment est-ce qu'elle a pu toujours sourire, comment elle a pu garder cet éternel courage, hein, tout simplement, pour devenir un professeur dévoué, justement, bah pour être tout simplement un professeur qui pourra apprendre à Akari à passer du stade supérieur et donc prendre la succession de Alicia. Et c'est vrai que ce point, bah ça vise juste tout simplement, parce que justement, qu'est-ce qu'on va raconter? Bah on va savoir un petit peu plus sur le passé de Alicia, comment un petit peu est-ce qu'elle a rencontré, comment est-ce qu'elle s'est intégrée dans l'Aria Company. Comment est-ce qu'elle a un petit peu rencontré Akari? Comment ça s'est passé, tu vois?
Mais surtout, tu vas savoir pourquoi Alicia, c'est quelqu'un qui sourit toujours. Parce que oui, c'est vrai que même Akari, elle a même dit durant la série télé, oh mon Dieu, mais Alicia, elle sourit toujours et tout, elle n'est jamais en colère et tout ça. Eh ben, tu vois, même si Dornim, on te le dit rapidement et tout, eh ben, Arietta te touche un petit point sensible à ce niveau. Parce que tu vas savoir les fondements de pourquoi Alicia est une telle personne, et dans sa construction, comment elle a pu passer de quelqu'un qui avait peur et tout, parce que oui, au final, elle a une certaine similitude avec Akari, parce qu'elle est un petit peu du même niveau qu'Akari et tout, tu vois. Donc voilà, parce que n'oublions pas que Alicia, c'est pas celle qui a fondé Aria Company, c'est plutôt la grand-mère, hein, tu vois, donc la première prima undine de, comment dire ça, de Aria, quoi, excusez-moi. Et donc, c'est vrai que tu te dis, d'où est-ce que ça, d'où est-ce qu'elle a pu construire ça, Alicia? Et tu vas voir tous les fondements par rapport à ça. Tu vas voir comment elle s'est construite, comment elle s'est forgée, comment elle a pu prendre confiance. Parce que Alicia, je vais vous dire, même après, tu vois, elle manquait également de confiance pour être un bon professeur, pardon. Ce que Akari lui a un petit peu inculqué, parce que oui, même quand elle est devenue professeur, bah disons qu'elle avait un petit peu peur de ne pas être un bon professeur et tout, et donc elle va un petit peu apprendre petit à petit, via même ses élèves qui vont quand même lui apprendre ce qu'est d'être un bon professeur et d'avoir confiance en ses capacités, et voilà. Donc, moi je vais vous dire clairement, je vais pas trop vous dire non plus pour pas vous spoiler, et ben cette OVA est un préquel, comme je vous dis, à la saison 3, et surtout, 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 ça va vous apprendre des petites choses sur Alicia, à quelle généralement la série TV va te faire un énorme silence. Un petit peu dommage d'ailleurs, mais c'est justifié. Moi je l'ai dit pourquoi durant les reviews de la série TV, donc je vous invite à aller regarder pourquoi. Mais vraiment, cette OVA est justement centrée sur ça. Donc sur les peurs d'être quelqu'un de responsable, mais également de prendre en compte les capacités et avoir confiance en ses capacités pour être quelqu'un de dévoué pour plus tard, tu vois. Et savoir que plus tard, on va peut-être laisser sa trace et on va peut-être laisser son héritage, mais qu'au final, il faut quand même quelqu'un être de dévoué et de pouvoir savoir où trouver les capacités pour justement atteindre le statut de quelqu'un de responsable. Et vraiment, moi je trouve que cette OVA, il a vraiment visé très juste pour Alicia. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est un petit peu le personnage qu'on te mettait le plus en silence durant la série TV. Donc, bah moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et donc, bah moi, j'ai envie de vous dire, c'est un OVA assez complémentaire, je peux être d'accord, mais vraiment magnifique OVA. Magnifique, ça m'a fait vraiment, vraiment très, très plaisir à voir. Les musiques étaient géniales, moi je tiens à le dire également, les graphismes, bah c'est du rien. Voilà. Non, c'est pas un argument de dire c'est rien. Non, c'était très beau. L'architecture est toujours si magnifique. On va également découvrir des nouveaux lieux. Alors moi, je vous le dis aussi, notamment la plage Saint-Marc. D'ailleurs, petite anecdote, c'est là où j'étais en vacances durant mes 2 fois où j'étais à Venise. Donc, j'ai tout de suite reconnu ce lieu. Je me suis tout de suite ressenti intégré via Venise et tout, et ce Neo Venezia qui nous laisse vraiment encore une fois bien rêver et tout. Voilà. Donc, à part ça, bah, l'humour est vraiment très sympa également, les personnages toujours aussi attachants. Vraiment, on voit rapidement les trois personnages, tout simplement. Donc, Akari, Alice et Aika. C'est toujours un très bon trio, vraiment très beau à voir. Mais c'est surtout, tu vois, ça va surtout être la relation entre Akari et Alice qui va vraiment être bien mise en avant et tout. Et tu vas voir que même si elle est devenue maître et tout, que l'on te dit dans la série TV que c'est un maître très responsable et tout. Bah, tu peux voir que derrière un petit peu le sourire d'Alicia, il y a peut-être quelques faiblesses et que, ok, la carrière elle-même participe un peu à l'évolution d'Alicia, tu vois. Et donc, moi, ça m'a fortement, fortement intéressé à voir. Et surtout, bah, c'était magnifique, tout simplement. Donc, et ben voilà. Donc, c'est un OVA très, très centré sur la. Bah, simplement sur l'évolution d'Alicia et de comment est-ce qu'elle est passée tout simplement de quelqu'un qui voulait être un petit peu égoïste à quelqu'un de entièrement responsable et qui sourit tout le temps sans aucune faiblesse. Voilà. Donc, et ben voilà donc cette petite review pour cette OVA. Et ben moi, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos, les petits amis. C'était Timepon et regarde absolument Aria. C'est un chef-d'œuvre, encore une fois. Je ne cesserai de le dire. Voilà. Je ne cesserai jamais de le dire. Faut regarder Aria, les gars. Allez, des bisous tout le monde. C'était Timepon.